En France, il y a plus de 160 000 clubs de sport, dont 10 000 clubs de tennis, de paddle et de squash. Je m'appelle Loïc Tapp et je suis né dans l'un de ces clubs. Mes grands-parents ont construit un petit club de tennis, mon père et mon oncle l'ont transformé en un complexe multisport. Et j'ai eu la chance de faire mon expérience dans cette structure. J'ai eu la chance d'être joueur, d'être coach de tennis et de paddle, et j'ai également eu des responsabilités au sein du club. La vie d'un dirigeant, c'est 9h minuit du lundi au dimanche. Et dans ce planning d'enfer, il y a énormément de problématiques quotidiennes. C'est pourquoi j'ai recherché un outil capable de répondre à ces problématiques quotidiennes. Et je n'ai rien trouvé d'intéressant qui répondait à la façon dont je gérais la structure. Alors, j'ai rencontré Olivier Schoenmann, un développeur full stack, et nous avons créé en janvier 2020 la société de gestion sport. Gestion sport, c'est quoi ? Gestion sport, c'est un logiciel professionnel de gestion tout en un qui s'adresse aux dirigeants des complexes sportifs. Cet outil permet de répondre à un grand nombre de problématiques quotidiennes que le dirigeant rencontre. Par exemple, nous avons été les premiers en France à créer une application mobile personnalisée en marque blanche à destination des clubs de raquettes. Grâce à cette application, les clubs et les dirigeants vont pouvoir rendre tous leurs joueurs complètement autonomes. Grâce à cette autonomie, les joueurs vont pouvoir réserver, s'inscrire à des animations ou prendre encore leur abonnement. Et le dirigeant, lui, de son côté, va gagner du temps qu'il va pouvoir mettre à profit pour développer et optimiser son activité. Aujourd'hui, nous travaillons avec de grands clubs, comme le plus grand club de paddle en France, le Toulouse Paddle Club, ou encore une des plus grosses académies de France, la HDN Academy, qui est une académie de tennis internationale. Et puis, nous avons aussi des références, comme par exemple l'entité Z5, que nous n'avons pas besoin de vous présenter.